pas obligé de me donner de l'argent. Mais si t'insistes, tu peux t'abonner à la chaîne. Et si tu veux pas t'abonner, c'est fine. C'est fine, y a aucun problème. Juste à présent, c'est déjà pas mal. Mais non, y a pas de mais. Enfin si, y a mais. Parce que bah en fait on est en mai, mais c'est pas un mai MIS, tu vois. C'est un mai plutôt du type calendrier. Yo, 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 this Katerina man? Mamma mia, pizzeria! This Katerina? Mamma, mamma, mamma. Merci, we see pour le 12e mois. Oh la 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 la, 12 mois, monsieur, monsieur. Je suis ému. Oh, fuck on a pizza and two little machine broke. Forgot 1 liter though. Let's go. Wait, on a les Hellions. Welcome to Mamma Mia Pizzeria. Merci Rachid Labicrave pour les deux. Rachid Labicrave. Non mais moi je peux pas les pseudos comme ça. Le mec se prénomme Rachid Labicrave. Non mais moi je peux pas streamer dans ces conditions les gars. Faut que vous fassiez un effort. Je veux dire quoi, merci Rachid Labicrave. Je veux pas dire ça quand même. Ça ne se dit pas. Déjà voilà. Pourquoi Rachid Labicrave et pourquoi pas André Labicrave, hein? Pourquoi pas Joseph Labicrave, hein? Ah, tout de suite. Tu me fais ça à moi qui m'appelle Karim. À moi qui m'appelle Karim. Pas sympa, hein. C'est pas bien, hein. Je... Tu vas aller en enfer, toi. Oh, incroyable. Nice fresh hair. Yeah, man. I'm glad you noticed the haircut, man. I'm looking pretty fresh today. Yeah. Je pratique le... Ah non, non. Arrête. Ça suffit. Il suffit maintenant. Ok, Atrox, il est temps de tanker, mon pote. Oh, mais c'est Dank Guardians, le French player, Dank Guardians. Attends, il est en position d'abus de Varus, là. Oh là là, le petit raid de Branx. Branx. Jure le ref Branx. Bah, merci. J'espère que ça s'est bien passé, ton live. Alors, ce grand masté. Grand Master. Au cas où on pense que tu es petit, eh bien il y a le Grand Master. Autrement dit, je suis maître. Je suis un maître. Un maître sur Tift. On l'achète ou pas ce Atrox? Est-ce qu'on vend une paire de Poppy pour prendre Atrox? Des Poppy. On veut compléter les items derrière. Putain, c'est là. Dit mec, il m'a pris ma BF. Il m'a pris ma putain de BF. Ok, je prends une tire. Tu pètes le feu, ça fait plaisir. Je pète le feu, mec. Tout à l'heure, il y avait un feu, je me suis battu avec. Je lui ai mis une patate là. Crochet là, petit enchaînement. Ah, je l'ai niqué sa mère. Hein. Il était là, il crépitait comme ça là. Ce petit bâtard. Elle m'a regardé. Bizarre. C'est quoi cet écho de fou furieux, mec? Je te jure, je peux acheter un château là. Je suis en Gucci là, je suis en Gucci. En Gucci mon ref, hein. Ah donc c'est lui qui m'a pris ma BF. Ah, pour avoir une deuxième BF. Ah, je vois. Tu es plutôt bien éduqué toi. Tu as pas appris à jouer dans une poubelle. Oh, oui. Faut que je perde. Let's go, la turbo good low. Oh oui, le seigneur. Mes chips. Incroyable ce scénario. Oh non, Balotelli Turbo Open Fort Art Abusing Vein. Oh, il casse les couilles. Attends, je vais peut-être perdre en vrai. Attends, je peux pas perdre là. Si, je perds là, non. Oh, let's go, le trèche. C'est une Turbo Goodlove, ça, je reconnais. Let's go. Oh, la Turbo Goodlove. C'est quoi cette game, frérot? Eh non, je suis trop bien là dans la game. Il est possible que la suite de la game se passe terriblement mal, mais c'est pas grave parce que je pense que ça va bien se passer. Oh. Plus de thunes, ok, j'aime bien. Pré-level,
Qu'est-ce qu'on peut avoir? Sandra, encore plus de thunes, yes, yes. On peut acheter full shop. Et une armure, ok. C'est pertinent. On va pas level sur ce tour. Bien qu'en soi, ça coûte pas très cher. Non, je préfère perdre ce round en vrai. On aurait pu jouer Vayne Reroll, mais en vrai, non. Flemme. Pas avec ce gear là. Alors que Varus là, c'est totalement fine avec ce gear. Faudrait juste tuer une unité ou deux là. Si possible, t'as eu. Allez, Vayne. Allez. Allez. Putain, j'ai pas réussi à la tuer. C'est pas un pré-level là, toujours? Turbo pré-level. Hein. Quand partir sur Vayne et quand Varus? Une question d'item, mec. Vers Ginzu est bien dans les deux. Oh. Mais avec une Dark Cloak, tu peux pas faire genre un Runan. Tu dois faire un Dark Runan et c'est nul sur Vayne. C'est jamais ça. On va roll un peu, hein. Juste un petit peu, hein. Juste un doigt. Quoi? Ok, on a un truc à rentrer. Pas le doigt, hein. Je parle de Ekarim. Non mais calmez-vous, là. Oh, ça va? Vraiment des enfants, là, hein. Tout ramener à ça, hein. C'est... vous êtes vrai. Mec, je suis rien. Quand même. Hein? Bon, par contre c'est un slab maintenant. Bon, on va se calmer le trèche là. Oh monsieur là. Oh. Il est fou lui, eh. T'es fou toi. T'es pas bien dans ta tête. Oh. Oh le cled là. Oh putain. On va mettre le cœur gelé ici, on va mettre plutôt Victor, le fameux Victor. Shit. Ce serait temps de gagner un round là, hein, puisque les points de vie on faisait des Goodloss, mais là c'est plus trop des Goodloss, cousin. C'est pas ouf quoi. T'as vu, je sais pas quoi. Après ça fait des prix au carousel, hein. C'est plutôt sympathique, tu vois. J'aime bien tout ce qui est prix au carousel. Ce serait temps de trouver Varus 2, effectivement. Bon. C'est-à-dire que bon. Voilà. Waouh. Voilà. Ce carrousel pue la merde, frère. Enfin, voilà quoi. Enfin, je. C'est pas possible. Oh. Pardon. Je me suis un petit peu emporté. Ça c'est cool par contre. On va mettre Jaxe. On a trouvé un petit Garen au niveau 7. Bon, c'est des choses qui arrivent. Quand ça arrive, vous êtes plutôt content. Eh oui, c'est un Garen. Tu vois correctement. Nice Ja. Nice Ja. Attends, il essaye d'abuse Varus lui. Attends, c'est pas Cat Knight là, Overstruck? Si, c'est mieux. Fuck Vayne 3. J'ai jamais Vayne 3. Le petit tab, il me fume. Oh, mais c'est quoi ça? Vas-y, je me fais one shot par une Syndra 1, on est où? C'est un redeemed en plus, mon perso, genre. Il est censé avoir de la Magic Resist de base. Et je me fais Turbo OS comme ça, ça n'a aucun sens. C'est pas bon du tout. Ok, on a des upgrades frontline, on peut dégager ce Aatrox. Là dans le plan normalement on devait avoir un Varus 2, tu vois. On n'a pas un Varus 2, tu vois. C'est toujours Bramble. Cœur gelé. Arrêtez! Ils arrêtent pas de cyberbully mon nocturne, bro! C'est pas cool, mec! Qu'est-ce que je garde encore karma là? T'fou, Alik! T'fou, Alik! Tu dégoûtes! Dégage! Ça dégage! T'fou, Alik! Ton nocturne. Je veux dire, Varus, t'as compris, arrête, fais pas simple. C'est quoi là? C'est une Shoujin?
Ah la niche le Garen hein, parce que là ça devient compliqué hein. Ok on va pouvoir avancer. Attends mais on s'est fait snipe par Volta, je viens de le remarquer ça. Casse les couilles le Voltariux from Toulouse. Pas ça parce qu'il est toulousain. Quand même là, je dois avouer qu'il me casse un petit peu les couilles là. Eh. Il joue à... Déjà il joue à quoi là? Trois cavaliers, clé de carry? Il s'est cru où là? Attends, je vais regarder mon round aussi. Il est toujours stuck sur le Tariq depuis tout à l'heure. Ça me smoke. Oh, oh attends, il pénètre la backline. Attends, c'est quoi ce clé? Ah, il a tué la Kayle. Je regagne, attends. Il l'a réussi. C'est quoi cette merde? Ah, j'en ai marre. Il y a un Heimerdinger. Vas-y, prends le Heimerdinger. Je prends la BF5 Gold. On fait comme ça. Oh, ho ho ho. Very nice, very nice. Elle devrait cast. Inch. Wow, 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 du calme. C'est quoi ce Warwick? Wesh! Mais c'est parce que j'ai une Dark BT! Il s'est fait one shot par un putain de Warwick 3! Putain! Ça me casse les couilles là! Non, mais elle casse les couilles cette game. C'est quoi? C'est jamais des dégâts physiques. C'est impossible. Dans cette méta, si t'as pas un Varus de frame 1, tu ne peux pas gagner avec des dégâts physiques. C'est toujours des compos magiques. Non, mais c'est confirmé hein. Non, mais là, c'est vraiment confirmé. C'est plus jamais des comp... je suis obligé de donkey comme un singe là. Enfin... Moi ça m'enchante pas quoi. Oh, voilà on a trouvé quoi mais... Ah j'ai plus d'écho quoi. Ça ne m'enchante guère quoi. Enfin il faut dire les choses comme elles sont. Moi ça ne m'amuse pas de roll to my gold comme cela au moment où je ne suis pas censé roll to my gold comme ça. Ça ne m'enchante pas. Je dis les choses comme elles le sont. Il faut dire que là, j'étais censé trouver un Varus de Rapidemang. Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Il s'est passé que je n'ai pas trouvé de Varus de Rapidemang. Et voilà, je vais tomber sur une Kayle 1 et je vais perdre ma partie parce qu'il a trouvé une Gunblade et qu'il a trouvé une Kayle et qu'il a trouvé une... Casse les couilles Qu'est-ce qu'on fait là? On souhaite pour un top 4? Pour un top 7? Un top 6? Déjà, c'est quoi ce Wyvern? Il sert à quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Il sert plus à rien, je le vends. M'en fous, je m'en bats les couilles, ce hiverne, il dégage. Dégage. Ce hiverne n'a plus rien à faire dans ma composition d'équipe. Il dégage. Je vais roll autre chose, je m'en fous. Ok, les objets disparaissent, très bien. Ouais, ouais, ok, donc on a une claw et ça. Jamais qu'elle est ici. Rel 3. Maybe. Je pense qu'on rajoute un mystique et salam hein. Et on prie pour tomber sur des dégâts magiques parce que sinon je vois pas comment on gagne. Oh no. Problems. C'est le début des problems. Mais on peut pas se faire grimper par un trèche là. Ok, ça passe. Ça passe, large, large. Ok, ok, ça passe large. C'est pas large mais ça passe. Et comme d'habitude, tu es trop marrant, c'est trop rigolo. Je vais m'hydrater. Allez, Aphelios! Non, arrête, arrête! Mais ça pue la merde, les dégâts physiques! C'est pas jouable. Ce n'est pas jouable, à l'aide. Vas-y, j'avais la meilleure game du siècle. Mes rolls 6 ont pué, mes rolls 7 ont pué, tout pue. Tout pue, pue, pue. Ça pue. On relance, ce n'est plus jamais un start BF. Non, mais vraiment, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, les dégâts physiques n'ont pas leur place dans cette méta. Genre, ça ne sert à rien de jouer des dégâts physiques.
Et il n'y a pas de counter aux dégâts magiques, parce que Garen, parce que statique, parce que tous ces outils qui sortent de nulle part. Voilà. Que fait Rito Games? Hello guys, Ionic Spark. Est-ce qu'on peut faire un truc avec cet item? Last Whisper. Tu compares ça avec Static et Garen, ce n'est pas comparable. Que fait Rito Games? Rito Games, ils font une réunion. Mordog, il arrive. Il arrive comme ça. Et il fait... Ok les gars. Petite réunion. On va voir ce qui ne va pas avec le patch. Alors, que disent les statistiques? Les statistiques sont formelles. Il faut buff Riven. Fin de la réunion. Bonne soirée. Au revoir. We'll be right back.